Dans la vidéo d'aujourd'hui les gars, j'ai coach un abonné qui jouait sur Nintendo Switch. Je lui ai appris plein de rites, comment devenir meilleur en bullfight, etc. Donc si ce genre de concept vous plaît, n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires. Et si tu veux que je te sélectionne pour une future vidéo où je vous entraîne, n'hésite pas à rejoindre mon Discord. Bon les gars, on est directement en mode créatif avec l'abonné que j'ai sélectionné sur Discord. Salut Gabin. Salut. Comment tu vas? Bien. Ok, nickel alors, t'es content de faire une vidéo avec moi? Ouais. Ah ok, c'est nickel. Comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo les gars, je vais entraîner un abonné qui joue sur Switch, donc il va me montrer ce qu'il arrive à faire, ce qu'il a un petit peu du mal, etc. Bah je te propose directement de me montrer un petit peu ton niveau en build, pars et je te suis. Ok, t'inquiète, c'est pas grave si tu me bloques. Hein. Ok, donc là la simple edit. Ok. Double edit, c'est un petit peu galère en 30 fps. Ok, la petite retake. Ok, ça va. Il y a un petit peu de niveau quand même. Il a l'air un petit peu. Aïe. Ah mais c'est vrai que sur Switch c'est un petit peu compliqué. Ça va, j'irai au moins que t'as les bases. Tu devrais un petit peu plus te protéger quand tu fais des 90. Parce que sinon tu peux bien te tirer dessus. Ok, les extends c'est pas trop ça. C'est un peu lent. Bon après les gars, faut pas oublier qu'ils jouent sur Switch et que sur Switch les gars ils jouent à 30 FPS. Donc rendez-vous compte que nous on joue avec 4 fois plus de FPS que eux. Donc c'est normal qu'ils arrivent, qu'ils galèrent un petit peu à build et tout. Pour les extends, c'est pas les meilleurs extends du monde, mais au moins on est protégé les gars. Hein. Au moins on est protégé. Bon, moi je te propose qu'on aille tout en bas et que déjà je vais t'aider pour faire tes double edits parce que j'ai vu que t'avais un petit peu de mal. Oui. Déjà ce qu'il faut faire pour les double edits, toi je sais que tu fais ça et que après bah tu te retrouves souvent bloqué ici. Bah je pense parce qu'avec les 30 FPS c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui pourrait t'aider, c'est que juste le sol tu l'édites comme ça et le cône après tu l'édites x2. Et bah là forcément t'as double dit tu vas la réussir. Donc celui-là. Bon moi je fais les deux mais je sais que c'est plus simple de faire juste tu édites un carré du sol et après tu édites les deux carrés du cône. Donc vas-y tiens essaye, je te regarde. Prends ton temps, voilà. Ok, voilà tu vois. C'est déjà mieux. Bon maintenant que tu gères un petit peu les double edits, est-ce que tu penses que les triple edits c'est possible? C'est dur, mais rien n'est impossible. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Bon, pour les triple edits, je vais pas te demander de les faire hyper rapidement parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais moi, le meilleur conseil que je pourrais te donner pour faire des triple edits, c'est de toujours garder le plan en main. Tu vois, il faut jamais que tu switches sur la pioche. Et regarde, et là, tu vois, vu que t'as ton plan en main, et ben ça sélectionne. Enfin, c'est plus rapide que de prendre la pioche. Je sais aussi pas être vite avec la pioche. Mais bon, il y a plus de chances qu'on se rate et tout. Donc vas-y, je te suis. Et même si tu prends un petit peu de temps, c'est pas grave, t'inquiète. Ok, le sol. Tranquille, vas-y, doucement. Hop là. Aïe. La prochaine fois, tu fais pas de porte. Je veux que tu dites normalement. Voilà, parfait. Ok. Le sol, le cône, le mur. Aïe, non, pas la porte. Voilà, parfait. La piste est dite en 3. Oh, bah regarde, tu vois. Plus t'en fais, plus tu vas vite. Ok. Oh ça va. Oh c'était rapide ça. Bien joué Gabin, bien joué. Celle-là, la dernière elle était rapide. Donc vous avez vu les gars, il a juste fait quelques triple edits. Je lui ai vite fait donner 2-3 conseils. Vous avez vu que déjà il va déjà grave plus rapidement. T90. Montre-moi T90. Ok. Ouf là, non Gabin, je suis pas d'accord avec toi là par contre. Refais. Ah oui, non, je suis pas trop d'accord là, Gabin. Il y a vraiment d'autres moyens de faire des 90, que ce soit plus simple, des 90 cover. Mais attends, viens, on repart de tout en bas. Après, on casse tout. Alors, les 90 les plus simples, moi je dirais que c'est ceux-là. Tu vois, mais en mode rapidement. En gros, tu mets un mur devant toi, un à droite, un ici, et il faut que tu mettes le sol et l'escalier très rapidement pour que ça se voie pas et que ce soit rapide. Rapidement, ça donne ça. Et tu vois qu'au moins on est protégé sur le côté alors qu'avec T90 tu pouvais prendre des balles de tous les côtés. Allez tiens, je te regarde, essaye. Prends ton temps. Voilà. Voilà. Et il faut que tu. Voilà, exactement, que t'enchaînes comme ça. Voilà, tu. Non mais. Parfait. Ce sera déjà mieux que T90. Et là au moins tu vois, si moi je suis là et que je veux te tirer dessus, tu vois, je peux pas. Vu que t'as mis les murs sur le côté. Je ne peux pas. Ok, bon, je te débloque parce que là je t'ai mis dans un cône. Ok, bah, allez, viens, on redescend en bas. Non, franchement, non.
t'apprends vite, hein. Les 90, au début, t'avais du mal. Là, franchement, maintenant, il ressemble à quelque chose. Les double edits, c'était la galère. Maintenant, ça ressemble à quelque chose. Les triple edits, c'était la galère. Maintenant, ça ressemble à quelque chose de fluide. Maintenant, on va essayer de t'apprendre des 90 qui sont encore plus rapides. Donc, je vais t'apprendre les meilleurs starts en bullfight. Donc, bah, monte, tiens, mets-toi en face de moi. Et montre-moi ton meilleur start et je te suis. Ok. Ah oui, non. Comme ça, le mec en face, il aura forcément le high ground. Surtout que sur Switch, en général, les joueurs, les gens que vous croisez sont meilleurs que vous. Franchement, je vais te montrer ce qu'est les meilleurs starts à faire en bullfight. Pour que t'aies tout le temps la hauteur, il faut que tu te mettes toujours sur le côté droit de ta rampe pour pouvoir te boost. Donc ça va être simple. Donc attends, je repars derrière. Tu fais ça. Et là, tu 90. Et là, tu auras forcément le high ground. Tu pars sur le côté droit, tu sautes, tu te mets un petit peu sur le côté comme moi je suis. Tu mets un sol et un escalier, donc il faut que tu mettes les deux en même temps. Après, moi ce que je fais c'est que je remets un sol, un escalier. Donc là ça me fait prendre 1, 2, ça me fait prendre 4 de hauteur, tu vois, au lieu de 2. Et après, bah, tu 90 et suivant où ton adversaire il est, tu vas vers lui. On va casser et je vais te regarder faire. Voilà, parfait. Mais sauf que là, regarde, tu vois, juste après que t'aies fait le sol et l'escalier ici, il faut que tu restes sur l'escalier, oui. Genre ici, tout en haut de l'escalier, tu mettes ton sol et l'escalier, tu vois, okay. Comme ça, regarde, comme ça tu seras à la même hauteur que ce que tu étais de base, mais sauf que bah là tu gagnes grave du temps vu que tu restes au même endroit. T'as pas besoin, okay, de partir vers là-bas, que tu seras déjà à la même hauteur. Ok. Non. Presque, mais le truc là c'est que t'es pas parti sur le côté droit de l'escalier. Il faut toujours que tu sois sur le côté droit, voilà. Regarde, donc là, seul escalier, là, bah voilà, parfait. Exactement, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Sauf que quand tu arrives à ton deuxième seul escalier ici, tu fais des 90 pour pas qu'on puisse te tirer sur le côté. Parce que là, tu vois, j'ai juste à tirer une décale et hop, tu vois, je peux mettre une balle. Non, okay. Franchement, c'est cool. Maintenant que tu sais faire des triple edits, des double edits, les meilleurs starts en bullfight, je vais t'apprendre à faire quoi? Des petites retakes. Tu sais faire des retakes en bullfight ou c'est compliqué? Ouais, j'ai un peu de mal. Ok. Mais y en a que tu sais gérer? Oui. Vas-y, bah je t'en regarde. Tiens, par ici. Ok. C'était ça ta retake? Non. Bah vas-y, montre-moi ta petite retake alors. J'ai oublié ce que c'était. Ok. Bah c'est pas grave. Moi, je vais t'en montrer une simple. Enfin, simple. Franchement, sur Switch, je sais pas si c'est simple. Mais il faut poser un seul. Tu mets un escalier derrière toi, tiens, mets-toi ici là à droite. Mets-toi à côté de moi comme ça tu peux voir. Donc une fois que tu as ton sol dans ton dos, voilà, parfait, fais pareil que moi. Tu mets des escaliers en face, comme ça. Après, tu mets un mur ici, un mur à droite, un mur à droite. Après, le mur qui est devant toi là, à ta droite, tu l'édites en 3. Voilà, donc en 3. Et après, tu mets un mur ici, un escalier, et tu peux le refaire à l'infini. Donc là maintenant, on va repartir de tout en bas et je vais te le montrer rapidement pour que tu puisses plus comprendre la retake. Parce que peut-être qu'à regarder c'est un petit peu compliqué. Donc en gros tu fais ça et après bah tu pars comme tu veux, tu vois. Et en une seconde j'ai fait 1, 2, 3, 4 étages, tu vois. En okay. Une seconde, donc pour prendre le high ground c'est vraiment un truc de ouf. Donc là tu vas te remettre à côté de moi mais tu vas te mettre là, mets-toi ici. Donc là c'est simple. Escalier, escalier, mur devant, mur à droite. Après, t'édites le mur en 3. Et là, après, tu fais à peu près ce que tu veux. Donc, si tu veux mettre un mur, un escalier et juste aller tout droit, après, tu fais vraiment ce que tu veux. Mais juste le fait de faire ça et de faire ça, bah forcément, le mec, tu vas lui reprendre des étages. Okay. Et en plus, le truc qui est bien avec cette retake, c'est que forcément, t'es cover, tu peux pas te prendre de balles. Ok, bah franchement Gabin, c'était super cool, t'apprends super vite toutes les retakes que je t'ai apprises, tous les builds. En tout cas, ça m'aura fait grave plaisir de tourner une petite vidéo avec toi. Est-ce que je t'ai appris plein de petits trucs dans la vidéo? Oui. Et bah en tout cas, alors c'est parfait, j'espère que je t'aurais bien aidé pour les triple edits, pour les double edits, les 90 et tout et les retakes. En tout cas, ça m'aura fait plaisir. Les gars, n'hésitez pas à aller follow sa chaîne YouTube dans la description ou ses réseaux. Je vous mettrai tout dans la description. Donc voilà les gars, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos avec des joueurs Switch, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les gars, c'était Penta, je vous fais des bisous. Ciao.